arrivés en attendant sans doute maintenant leur départ. La chanson s'appelle Stay on These Roads. Voici Aha dans Sacrée Soirée. Rose. Venez, venez vous asseoir avec moi. Hein? On a toute une petite mise en scène. Bonsoir, good evening.
Asseyez-vous. Voilà, vous avez chacun un petit écouteur pour pouvoir suivre la conversation. Comment allez-vous? Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Bonsoir, in France. Bonsoir. Alors, je suis très heureux d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Attendez, je vais vous aider un petit peu. Parce que je sais que bon nombre de jeunes filles aimeraient être à ma place. OK. Voilà. On n'y arrivera pas. Je vais les garder à la main. Très bien. Bah, tenez-le directement dans la main. Voilà, comme ça. Vous allez bien? Il y a une première question que j'aimerais vous poser. C'est... Bonsoir. Bonsoir. C'est pourquoi AA? Qu'est-ce que ça veut dire AA? C'est Trump, c'est très simple en Norvège. Ça veut dire que je comprends. Ah, c'est une exclamation. Ah ah, ben voilà, c'est tout simplement, il fallait y penser. Comment devient-on, comment vous êtes-vous rencontré? Comment le groupe s'est-il formé? Vous étiez musicien au départ, bien entendu. Nous étions élevés ensemble. And we were all living in the same area in Norway. Habitons dans le même quartier. And we all had the same dream of becoming musicians. So I think that's the main reason why we stuck together. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu rapidement de grandes vedettes internationales? Parce que je sais que c'était votre objectif et vous l'êtes devenu. Alors comment devient-on un groupe international? Comment arrive-t-on à devenir AA, même à être comparé aux Beatles chez lui un petit peu partout? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, les Beatles, c'est un peu... C'est un temps très spécial. Vous devenez international à travers la télé aujourd'hui, mais de durer demande un travail. J'ai l'impression, je vais peut-être poser une question à votre collègue. J'ai l'impression que vous êtes, j'allais dire, des gens normaux, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait différent des autres groupes de rock que l'on peut connaître. C'est-à-dire, vous êtes un, non? J'aimerais qu'il réponde ce jeune homme parce qu'il parle pas beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire simple? On a exactement. Mais nos chaussures sont très sophistiquées. Nous sommes quand même. Croyez-moi, nous sommes tous normaux, très simples. Voilà. Donc, alors, si vous avez compris. Les vedettes rock. Je pourrais être, moi, avec mes chaussures, une rock star, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Où est-ce que vous habitez? Où habitez-vous? Nous habitons à Londres. Ouf. Mais vous parlez français? C'est sacré. Et oui, c'est un exploit remarquable. Une question, parce que. Il n'est pas normal. Beaucoup de gens normaux parlent français. Il paraît, je me suis laissé dire, et puis ce sera ma dernière question, il paraît que vous allez habiter en France, c'est vrai ou pas? Je ne savais pas, ça ne me dérangerait pas du tout. Oui. On m'a laissé dire que vous aviez acheté une maison dans le midi de la France, ça n'est pas vrai? C'est un secret. C'est un secret. Donc, ils ont acheté une maison dans le midi de la France. Vous me téléphonez, je vais vous donner le numéro de téléphone et l'adresse. Bon, merci beaucoup. On ira vous voir très bientôt à Dijon le 3 mai. Ensuite, ça suit Lyon, Clermont, Grenoble, Mulhouse, Istres, Montpellier, Nice, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Nantes, Caen, Bercy le 19 et Lille le 21. Thank you for coming. Thank you very much. Je veux simplement vous demander une seule chose, les uns après les autres, c'est de me dire, c'est un exercice qu'on demande à tout le monde, sacrée soirée. Would you repeat after me, please? Sacrée soirée. Sacrée soirée. Ah, il le dit bien. Would you repeat, please, after me? Sacrée soirée. Sacrée soirée. And you? Maintenant, s'il vous plaît. Sacrée soirée. Il parle, c'est bon. Merci. Ah, dans Sacrée soirée. This is the name of the show.